Aujourd'hui, c'est le grand jour, le grand jour! Parce qu'aujourd'hui, je commence mon job au studio d'enregistrement pour la légende du hip-hop, Lady K! Que pensez-vous faire pour votre premier jour? J'en ai aucune idée. Je ferai peut-être des beats et j'écrirai des rimes. Oh, je vais aussi sûrement aider Lady K à rapper sur son nouvel album. Et oui, vous avez bien entendu, les amis. Karma a décroché le plus cool et le plus sympa des jobs de la Terre. Je suis là et prête à me mettre au travail. Peut-être qu'on devrait commencer par rapper une chanson ensemble, hein? J'adore cette énergie. Mais non, tu sais quoi, on va pas faire de la musique tout de suite. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Oh. Tout d'abord, tu vas classer ces disques. Je veux savoir qui chantait et quand les albums sont sortis. Pas de problème, Lady K. Ensuite, tu vas trier ces micros. Certains ne fonctionnent pas. J'ai besoin que tu me dises lesquels. Ouais, bien sûr, Lady K. Et le plus important... tu vas me démêler tous ces cordons. Bosser dur ou sans conviction, c'est épuisant, de toute façon je sais ce que c'est. Je me lève très tôt le matin, comme tous les jours, je travaille des heures et avec bravoure, je n'ai pas un instant de repos. Toujours... C'est super dur comme travail. Je mérite bien une petite pause, pas vrai, Nelly? Je vais prendre ça pour un oui. Elle, c'est Jayla. Et elle, c'est Tayla. Et tu regardes notre dernière vidéo. Le rap avec du beurre de cacahuète sur tes chaussures. Oh, vous avez vu? Elles font déjà un autre défi rap et moi, j'ai même pas rimé une seule fois aujourd'hui. Attends. Quoi? Je croyais que ton boulot, c'était de rapper avec les DK. Oh, ouais, absolument. Je crois qu'on est sur le point de commencer à rapper, d'ailleurs. Lady K m'a dit qu'on allait sûrement enregistrer un tout nouvel album ensemble aujourd'hui. T'es sérieuse? C'est carrément énorme. Ouais, alors, je ferais mieux d'y retourner. Moi aussi, je devrais être en train de rapper comme Jayla et Tayla. Oh, ça me ferait pas de mal de prendre une autre mini-pause pour faire une petite vidéo. Je vais apporter ça. Je veux dire, ça sera pas comme si je travaillais pas. Salut, Lady K. Oh, t'as pas besoin de les démêler. Je vais le faire, j'ai compris. T'en es sûre? Je sais bien que j'étais censée travailler, mais je voulais absolument rapper. Karma, tu veux être rappeuse et tu as le droit. Mais il y a qu'une seule façon d'y parvenir. Tu ne dois pas te divertir en chemin. Tu ne dois pas t'amuser en chemin. Tu dois travailler pour faire ton chemin. Le truc, c'est qu'il y a ces rappeuses Jayla et Tayla et je voulais pas... fiche complètement de Jayla et Tayla. Tu sais, même après toutes ces années à rapper, je cherche toujours à faire mieux. Il y a des choses que tu dois apprendre avant de connaître le succès. Mais ça n'arrivera jamais si Je ne m'en donne pas les moyens, je sais. Bon, allez, maintenant, aide-moi à démêler tous ces cordons. Karma, hein? Karma, Karma! Qu'est-ce que tu fabriques? C'est la rentrée, c'est notre premier jour d'école. Qui peut être aussi excitée à l'idée de reprendre l'école? Moi, parce que c'est pas un premier jour d'école comme les autres. Tout est nouveau pour moi, c'est mon premier jour au collège. Top là. T'es trop bizarre. Je pense aux nouveaux amis que je vais me faire, les devoirs à la maison et surtout les cours de musique. Je crois que j'aurai encore le temps d'écrire des rimes, Kiz. Kiz? Salut, comment tu vas, Winston? Salut. Moi et mon pote et moi, on est en route pour le collège et on rime comme des rois. Pas maintenant, Karma. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas excitée? Non, je suis effrayée, parce qu'on sera les plus petits de l'école, encore une fois. Et en plus, il y a tellement de nouveaux élèves qu'il y a 3 Kerry dans notre niveau. Comment je vais distinguer Kerry L, Kerry B et Kerry W? C'est impossible. Faut pas que tu t'inquiètes, Winston. Tout va bien se passer. Je suis peut-être trop enthousiaste. J'ai ce petit privilège, pas l'école élémentaire et salut le collège. Ok, ok, c'est bon, je te crois, Karma. Oh, c'est moi le proms. Ici. Hé, il y a une place de libre à côté de moi. Et cela va de soi, c'est la meilleure place qui soit. Merci. Moi, c'est Alex, mais tout le monde m'appelle Switch. Moi, c'est Karma. Oh, waouh. Ton bracelet est trop cool! Merci, c'est moi qui l'ai fait. T'es douée parce qu'il est génial. Et sinon, t'aimes bien la musique? Ah, en fait, j'adore faire des beats, des hoops, collectionner des disques et bien sûr voir des concerts. J'adore aussi jouer du... ouais, j'avoue, j'adore la musique. Karma? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est mon prénom. C'est pas un prénom courant, je l'avais jamais entendu. Il est trop bizarre. Mais d'ailleurs, c'est quoi Karma? C'est dingue, j'ai jamais entendu ce prénom avant. Je
Karma! Hé! Hey, qu'est-ce qu'elle a? Karma! Karma! Ce que tu viens de faire, c'est pas cool, Kerry, et surtout, c'est pas drôle! Ouais, c'est vrai, Kerry, elle a raison! Attention, voilà Kerry. Tu veux que je lui parle? Non, je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux, Kerry? Sympa ton bracelet. Je voulais te dire que j'avais vraiment jamais entendu un prénom comme le tien avant. J'avais compris, figure-toi. Et t'as de la chance, c'est super cool. C'est vrai, il y a deux autres Kerry qui sont nouvelles comme moi. J'aurais aimé avoir un prénom aussi unique que le tien. Ah, merci. Mais ça changerait en fait que t'as été vraiment très méchante avec moi hier. Oui, je sais, t'as raison. Je suis désolée. Karma! Est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça pour ta soirée pyjama de ce soir? Un globe et un tuba? Je veux seulement être certaine qu'on aura tout ce qu'il faudra. C'est ma toute première soirée pyjama au collège et Switch sera là et... Je veux que tout soit parfait. Mais qu'est-ce qui se passera quand tes amis t'entendront ronfler? N'oublie pas les choses dont tu as vraiment besoin, comme ton bonnet de nuit. Ah! Une fille se doit de prendre soin de ses cheveux. Oh! Vous voulez jouer à ça, les filles? Oui, je m'étonne! Ok, avant de commencer, on doit créer notre personnage. Ouh! Elle pourrait porter cette veste en cuir. C'est génial! On est fans! La ceinture aussi! Trop génial! On est fans! Maintenant, il faut trouver quelle coiffure lui donner. À quoi tu penses, toi, Karma? Cette coupe-là! Génial! On est fans! Qu'est-ce qu'il y a comme accessoire? Les nœuds sont super tendance. Attendez, on peut en mettre avec ses cheveux? Oh, c'est vrai ça! Et un serre-tête? Et des pinces! Mais en fait, est-ce que tu peux coiffer tes cheveux comme des cheveux normaux? Tu veux dire, est-ce que les personnes noires peuvent se coiffer comme vous, vous vous coiffez? Ouais. Vous m'aidez à choisir des chaussures? Et si on lui mettait des bottes? Ou des sandales? Non mais regardez ces baskets du tonnerre! Sa Bia se couche! Comme ça, je suis sûre de rien voir. Ben quoi, j'ai du pop-corn sur le visage. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mon bonnet! Je dois le porter quand je dors. Tu portes un chapeau pour dormir? En fait, c'est pas vraiment un chapeau. C'est pour protéger mes boucles. Une fille se doit de prendre soin de ses cheveux. Est-ce que toutes les filles noires portent ce genre de bonnet? Est-ce que ses cheveux sont plus durs à coiffer? Pourquoi tu fais pas de brushing? Est-ce que t'as besoin de les laver tous les jours? Quoi? Les cheveux ou le bonnet? Les deux! Je sais pas, moi. Je peux pas parler au nom de toutes les petites filles noires. Mais je crois que ma cousine Kiki a l'habitude... Je veux les toucher? Waouh! Ils sont beaucoup plus doux que ce que je croyais. C'est vrai. Je veux les toucher, moi aussi. Arrêtez, me touchez pas! Wow! Pas de problème, Kar. Ok, ok, ok. Bonne nuit. Je viens d'une longue lignée de femmes noires avec de magnifiques cheveux. Mais je ne peux pas répondre pour toutes. Je peux seulement répondre pour moi. Oh, et encore une chose, s'il te plaît, ne touche plus mes cheveux sans me le demander. Ok. Parce qu'une fille se doit de prendre soin de ses cheveux. Je suis vraiment désolée. Sincèrement, Karma. Mais est-ce que ça te dérange si je te demande qui t'a fait ces magnifiques tresses? C'est ma mère qui les a faites. Et toi, c'est qui pour ta frange? Ma mère m'a emmenée dans un salon. Elle a absolument aucune idée de la façon dont il faut s'y prendre. Est-ce que ça va? On a bien vu que Crash a volé les textes de ton journal. C'est pas cool du tout de s'accaparer les mots d'une autre personne. J'imaginais pas qu'il serait capable de mentir à ce point. On n'entend rien de ce que tu dis, Ka. Je dis que maintenant, il va utiliser mes mots écrits dans mon journal pour devenir un immense rappeur. Il n'y a aucune chance que ça se produise, parce qu'un jour ou l'autre, Crash n'aura plus aucune rime à prendre de ton journal. Et souviens-toi à quel point il était mauvais quand il n'avait pas tes mots à rapper. Allez. Tu sais que je suis le plus grand rappeur des environs. Et mes rimes sont aussi cool que... qu'un bonhomme de neige. Attends, c'est quoi ça? En tout cas, c'est pas une rime. À part
Maman, la seule façon pour lui de trouver une rime, c'est de me la voler. Mais toi, tu peux toujours en écrire d'autres, alors que lui, il en est incapable. T'inquiète, je peux t'assurer que tu rempliras des milliers de journaux dans ta vie, alors que Crash, lui, il aura que celui qui l'a volé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais montrer à Crash ce dont je suis capable. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Switch, est-ce que tu sais où elle va? On va faire une battle. L'heure de la battle est partie. Oh, d'accord. Tu veux que je te dise? J'ai toujours eu du charme, hein? Vous me connaissez? Mon nom à moi, c'est Car... Crash? Hé, hey, mon pote, ça fait pas la rime! C'est sûrement parce que Crash a besoin que je lui écrive toutes ses rimes. Mais oui, c'est ça. J'ai une tonne de rimes en stock et elles sont toutes de moi. Crash écrit toutes ses paroles et tu ferais mieux de les applaudir. Non, c'est vrai, je les reconnais, désolée de te le dire. Peux-tu m'aider à comprendre ce qui se passe? Tes mots sont surprenants, tes rimes ont la classe. Elles me sont si familières entre nous. Y'a pas de mal à avouer que tu es mon plus grand fan. Ça me fait mal que tu t'appropries mes vers, sachant que tu n'avais pas le droit, sachant que je le méritais pas. Et ça me met hors de moi. Tu dis mes mots comme s'ils étaient les tiens. Sais-tu seulement ce qu'ils veulent dire? Mais je suis la preuve que même si tu me copies, ça reste une copie. Ma vérité n'a pas pris. C'est bien le signe que ce talent est en moi et que cette flamme intérieure toujours brûlera. Je suis bien plus que les mots que j'exprime. Ce don est en moi et donne vie à mes rimes. Je suis bien plus que les mots que j'exprime. Ce don est en moi et donne vie à mes rimes. C'était génial. C'était t'as assuré. Je crois que tu viens de perdre la battle, mon pote. Attends, chut, elle arrive. Je peux savoir pourquoi vous me regardez de cette façon-là? Karma, je viens de discuter au téléphone avec une productrice de télévision et... Crystal K.O. arrive sur la chaîne Hansberry Heights. Hey, c'est moi qui devais lui dire. J'ai bien entendu. Crystal K.O. Les plus jeunes et branchés des MC s'affrontent dans une battle de rap pour être reconnus. Faire du freestyle, c'est rapper sur cette scène. Et pour ça, on donne un mot surprise aux rappeurs. Banane. Les bananes sont... Et si les rappeurs trouvent pas la rime, K.O. Je connais déjà cette émission. Est-ce qu'on a des billets pour y assister? C'est justement où je voulais en venir, Karma. La productrice de télévision m'a dit qu'elle avait entendu tes rimes. Et tu sais quoi? Elle a demandé à ce que tu participes. C'est trop génial, j'en rêve. Attends, une seconde. Contre qui je vais faire la battle? Ça fait 19 fois qu'elle remporte une battle. J'ai nommé Jayla et Taylor. Tu crois que t'es assez forte pour nous battre? Dans tes rêves, il serait temps pour vos autres MC de renoncer. N'en voulez pas aux jumelles. Si elles vous mettent la pâtée, vous êtes prêts? Trop tard! On sème déjà le trouble. Vous persistez, vous allez voir double. Elles sont super bonnes. Super bonnes? Elles sont trop géniales. Et en plus, elles ont des milliers de vues en ligne. C'est la classe. Tu peux me rappeler combien t'as de vues, toi, Karma? Genre 9. Oh, c'est pas juste, elles sont deux sur scène et moi je serai toute seule face à elles. C'est pour ça que la productrice a dit que tu pouvais avoir un coéquipier. Oh, un coéquipier? Je sais exactement à qui demander. Bienvenue à Freestyle K.O. Je vous rappelle que c'est une émission de freestyle, donc tous vos raps doivent être innovants et ne pas copier les autres. Et tout de suite, on accueille Jayla et Taïla contre Karma et Crash. En avant les rimes. Le thème, mathématiques. On accumule les points, votre flow se vaut. Ça vous donne des sueurs froides. Roi et reine du freestyle, insurpassable. Nos rimes viennent du cœur, rap c'est de la poésie. On remporte ce duel, pas de rouleau de PQ ici. La course, à vous. Vous êtes prêts? Trop tard, on sème déjà le trouble. Vous persistez, vous allez voir double. Hey, attendez une seconde. Vous avez déjà utilisé ces rimes avant. Vous n'avez pas le droit de faire ça, ce qui veut dire... Karma et Crash sont les grands gagnants. Yes. Je vous demande de faire une ovation à la seule unique Karma. C'est tout à fait vrai. Oh, ça
assez, ma fille. Le monde n'a qu'à bien se tenir. Attention, tout le monde. Aujourd'hui, c'est la première fois que je présente le métier de mes rêves. Je me suis super entraînée et je suis prête à dire à toute la classe quel est le métier de mes rêves. Renifleuse professionnelle de toilette. Avant que t'aies choisi d'être spécialiste des fromages qui schlinguent. Spécialiste des fromages qui schlinguent? Tu peux me dire ce que c'est? J'en sais rien du tout. C'est ton métier de rêve. Non, c'est pas ça. Mes mots sont puissants, je les fais rimer. Je vais changer mon monde grâce à chaque mot exprimé. Ah, mon métier de rêve, c'est de faire du rap et changer le monde grâce à ma musique. Waouh, tu veux vraiment être rappeuse? Ce sont des choses qui arrivent. Ah, Karma, à ton tour si tu veux bien. Je suis Karma Grant et je veux être rappeuse. Les filles sont incapables de faire du vrai rap. Oh. Les filles sont incapables de faire du vrai rap, de faire du vrai rap, de faire du vrai rap. Karma? Est-ce que ça va? Les filles sont incapables de faire du vrai rap. Oui, je m'appelle Karma et mon rêve c'est... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon rêve c'est de... Je possède le mental d'un champion. Après la pause déjeuner, on reprendra la session de présentation du métier de vos rêves. Alors, est-ce que t'aimes mes rimes, Crash? Ouais, elles étaient plutôt bonnes. Tu vois que t'avais tort quand tu disais que les filles étaient incapables de faire du rap? J'aurais jamais dû dire ça. Les filles peuvent faire du vrai rap, c'est évident. Excuse-moi, Karma. Et tu sais, les garçons peuvent être de vrais chanteurs d'opéra aussi. Ça, franchement, j'en sais rien. Je t'ai entendu chanter ce matin et c'était vraiment bien. Pour moi, t'es déjà un véritable chanteur d'opéra. Ah ouais, tu trouves? Mais j'ai déjà fait ma présentation et je l'ai ratée. Ouais, j'ai aussi raté la mienne. Mais je crois que je sais comment arranger ça. Crashio, crashio, crashio. Karma Grant, tu peux vraiment tout faire et je suis sincère. Ouais, je le savais déjà.